Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette petite vidéo news concernant le second flight test de Halo Infinite. On savait qu'il allait arriver, ça avait été dit à la fin du premier flight test. Nous allions pouvoir découvrir un petit peu plus de Halo Infinite avant sa sortie officielle. Eh bien, chose promise, chose due, nous y sommes, ce second flight test arrivera dès ce week-end à compter du vendredi 24 septembre. Si lors du premier flight test, nous avions pu découvrir les surprenants bots, quelques nouvelles armes ou des équipements jusque-là aperçus que lors de trailers, cette fois-ci, il est question d'affronter les autres invités de ce flight test. C'est le joueur contre joueur qui sera au centre de ce flight test, mais c'est loin d'être le seul changement qui vous attend ce week-end. Pour cette deuxième aventure, 343 Industries et Microsoft vont faire les choses différemment. Les bots seront toujours de la partie, comme la customisation ou encore le mode académie. En revanche, les plages horaires ont d'ores et déjà été distribuées pour les invités de cette phase de test. Contrairement au premier week-end offrant exclusivement un mode bot slayer où les serveurs étaient ouverts durant toute la durée du flight, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Pendant tout le week-end, à compter du 24 septembre, vous pourrez jouer contre les autres joueurs de 19h à 23h, puis de 2h du matin jusqu'à 6h du matin. Dans l'espace entre les heures de jeu, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la personnalisation de votre Spartan, comme le mode Académie découvert pour la première fois lors du précédent flight test. Ainsi, vous ne pourrez pas jouer tout le week-end à Halo Infinite, et pour en profiter un maximum, vous devrez très certainement vous armer de café. Dans les plages horaires d'ouverture, 343 Industries vous offrira la possibilité de jouer à nouveau contre des bots, mais également de jouer donc en joueur contre joueur, en 4 contre 4, en mode assassin ou objectif. La bonne nouvelle, c'est que le flight test ouvrira à nouveau ses portes le week-end suivant, dès le 30 septembre. Cette fois-ci, remplaçant le Slayer classique en 4v4 par le mode BTB, tant attendu sur Halo Infinite. Revisité, retravaillé, le BTB doit devenir le mode phare de Halo Infinite, augmentant même sa capacité de joueur de 16 à 24. Ce flight test est donc étalé sur deux week-ends, mais n'offrira la possibilité de jouer sur l'entièreté de ces derniers. De nouvelles maps sont attendues, ainsi peut-être pourquoi pas de nouvelles armes. Commencez déjà à vous entraîner pour ce week-end, les joueurs seront à mon avis très chauds. Bien entendu, ce flight test sera une priorité sur la chaîne et nous en reparlerons très vite. Mais c'est également notre Twitch qui va rouler à plein régime sur ces deux week-ends pour partager tout ça avec vous. Halo Infinite est prévu pour sortir le 8 décembre 2021 sur PC, Xbox et sera disponible Day One dans le Game Pass. Son multijoueur, lui, sera free to play. On se retrouve très vite pour parler de Halo Infinite. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis vive Halo !